je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique bonnet en satin. Vous vous dites peut-être pourquoi un bonnet en satin, à quoi ça sert? L'été d'oreiller en coton absorbe toute l'hydratation des cheveux pendant le sommeil et à la longue, cela les fragilise. Le bonnet en satin va venir protéger vos cheveux et maintenir l'hydratation jusqu'au réveil. Pour le choix du tissu, je vous conseille de prendre un tissu en satin de soie ou de polyester, imprimé ou uni, selon votre goût. Pour faire le patron, il suffit de mesurer la distance entre le front et le début du cou, comme ceci. Vous devez ensuite diviser le résultat que vous avez trouvé par deux et tracer ensuite le résultat sur la feuille. Et je rajoute les valeurs de couture. Je découpe. J'ai choisi un autre tissu dans les mêmes couleurs que le premier pour que mon bonnet soit réversible. Je plie mon tissu en deux, endroit contre endroit, et je le repasse. Je le replie une deuxième fois et je pose mon patron dessus. J'épingle et je découpe. Je refais la même chose avec l'autre tissu. Je pose ensuite les deux cercles ensemble, endroit contre endroit. J'épingle et j'assemble tout. Et je n'oublie pas de laisser une ouverture pour retourner mon bonnet à l'endroit et laisser passer l'élastique. Je le retourne et repasse les bords. Je fais une surpiqûre sur le dessus du bonnet en fonction de la largeur de mon élastique. Je mets l'élastique à l'aide de mon épingle à nourrice. Je couds l'élastique et je recouds également le petit trou. Voilà, mon bonnet est fini. Je suis contente du résultat. Mes cheveux vont être au top et garder toute leur hydratation naturelle pendant la nuit. J'espère que ce tuto vous a plu. Laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.